On est dans un monde en transition, qu'on le veuille ou non. Et donc, de sortir d'un débat un peu anxiogène et culpabilisateur, et de se dire à un moment, en fait, on peut le faire aussi dans la joie. Donc, le principe, c'est d'amener aussi bien des artistes, des humoristes, des speakers, qui vont effectivement nous parler de tout ça et s'ambiancer voilà, autour de la joie et du plaisir pendant 3 jours sur Marseille. Alors, le festival, c'est une bonne idée justement pour ça. Bah, on a toujours pensé que le festival était un moyen, en tout cas, d'attirer un public différent, de se rencontrer. Comme on dit, on n'a jamais été aussi seul et aussi connecté. Là, l'idée, c'est plutôt d'être tous ensemble et de passer un bon moment. Le succès de l'année dernière, auquel on ne s'attendait pas de faire sold out, nous a encouragés à faire une deuxième édition en essayant de faire encore différemment, et avec des nouveaux artistes, avec des nouveaux sujets. Et voilà. On ne peut pas annoncer tout le line-up, mais on va dire, on a sur la partie musique, on a Oshi, qui est une artiste assez connue, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas venue à Marseille, qui va bien évidemment chanter et qui va aussi participer sur un sujet, sur le sujet de la jeunesse et sur le sujet du harcèlement, qui est un sujet qui la concerne directement et dans lequel on va l'impliquer là-dessus. On va avoir en petit clin d'œil Michael Jeremias, qui est le président de la délégation des Jeux Paralympiques, qui va venir avec une humoriste canadienne nous faire un débrief des Jeux Paralympiques, puisqu'ils se seront terminés quelques jours avant. On va avoir Nadia Samud, qui est une chef étoilée, qui va faire un immense cours de cuisine le samedi en mode Masterchef. Voilà, des exemples comme ça, on en a plein. On va avoir un guichet déchets, vous pourrez acheter votre place au lieu de l'acheter avec de l'argent, vous pourrez l'acheter avec des déchets que derrière on va vous montrer comment est-ce qu'on les réutilise par rapport à ça. On va avoir voilà, plein d'idées qui vont se mettre en place pendant ces 3 jours-là.